Avec nous ce soir, aussi nombreux rassemblés autour de 5 lettres absolument terribles, opéra, n'est-ce pas? C'est un monde, c'est un monde entier l'opéra. Et je me suis demandé comment on entre en opéra, n'est-ce pas? Alors, ce soir, on va prendre une toute petite porte. Nous sommes à Milan. À Milan, au Teatro della Canobiana, nous sommes en 1832. C'est la catastrophe la plus absolue. Donizetti est un jeune homme de 35 ans quand débutent les répétitions de l'élixir d'amour. Et il est très pessimiste. Rien n'est prêt. Il dit que le baryton est nul, tout ça. Bon, mais ça, c'est la magie de l'opéra. Alors, on rentre ensemble dans cette toute petite porte. Siamo a Milano, ora, ok? Venite con noi dentro l'elisir d'amore. Ooh.
Si pour mourir d'amore dans l'opéra, il faut savoir une chose, on meurt tout le temps. À la fin, ça prend longtemps en général, 3 actes, parfois, bon, c'est un fleuve, et on meurt d'une chose. Oui, on meurt d'amour. Espérons que dans la vraie vie, il en soit un peu différemment. Mais bon, bref, ces jeunes hommes-là, parce qu'on pense souvent, quand on pense à l'opéra, à des hommes barbus, à chapeau, aux cheveux blancs, etc. Mais n'oublions pas, non, en leur temps. En leur temps, Verdi, c'est un homme du peuple. Verdi naît en 1813, il est écrit sur son état civil, né hier soir. Tant sa vie est assez peu importante. Verdi, c'est un enfant du peuple. Et c'est cette histoire-là aussi, l'opéra. Verdi, oui, oui, les pizzerias du monde entier s'appellent Verdi, c'est vrai. Parce que c'est un enfant qui apprend la musique dans une auberge de routier où travaillent ses parents. Verdi, c'est un jeune homme qui est refusé à l'entrée du conservatoire de Milan parce que son doigté est peu académique. Verdi, c'est une magie incroyable. Alors, on entre. On reste en Italie encore un peu, n'est-ce pas? La Traviata, addio, del passato.